La main légère, le geste juste, le savoir-faire de Roger Amillastre témoigne de ses 70 ans de métier. À 86 ans, il est l'un des plus anciens coiffeurs de France. Son salon de coiffure, qui porte le nom de son père, Achille, est une institution à Saint-Girons. Oui. Merci beaucoup. Allez. Au revoir. Merci. Le salon a été créé par mes parents en 1932. Et moi, j'ai commencé l'apprentissage le 1er juillet de 1947. Tout ça, c'est des copains et des clients. Ce salon, Roger l'a repris en 1967 après le décès de son père et il ne s'est jamais arrêté depuis. Avec le temps, il s'est constitué une large clientèle d'habitués. C'est mieux ici que dans les grandes surfaces ou les grands coiffeurs qu'il y a là, ils vous prennent comme à la chaîne là, ça dure un quart d'heure et on est mieux ici, c'est plus sympa, c'est agréable. Le salon se distingue également par son ambiance rétro et son mobilier d'époque toujours fonctionnel. Ça c'est l'établi que quand mon père a créé le salon de coiffure en 1932. Et ça c'est les fauteuils un peu plus récents qu'il a changé en 1947. Après 70 ans de carrière, Roger a toujours la passion de son métier. Mais ce sont aussi les aléas de la vie qui l'ont conduit à rester en activité. Je travaille encore parce que j'ai ma retraite qui est petite et que j'ai ma femme qui est malade, qui est dans une maison de retraite et je suis obligé de travailler parce que ça me coûte cher. Malgré ses 86 ans, Roger n'a toujours pas prévu de s'arrêter. Tant que la santé suivra, ses mains expertes continueront à soigner les cheveux des Saint-Gironnais.